Je ne veux plus que cela se répète. Est-ce que tu as compris? Va-t'en! Chef, je jure qu'elle a pris les sacs et a détruit son contenu. Je ne savais pas que son contenu était si important pour vous. Je n'aime pas que l'on se moque de moi. Je ne me moque pas de vous. Je vous demande pardon. Vous entendez? Elle demande pardon. La drogue que tu as détruite valait une fortune. Petite idiote, penses-tu que ton pardon peut nous rendre notre argent? Pitié, mon mari Lamine m'aidera à vous dédommager. Tu cherches à t'enfuir, hein? Je jure que je dis la vérité. Nous vous rembourserons jusqu'au dernier centime. Pour payer les préjudices, tu serviras d'esclave sexuel au groupe. Ne faites pas une telle chose. Je suis une femme mariée. Mon mari me cherchera. Là où tu es, personne ne te retrouvera. Et si ton mari te retrouve, nous le tuerons. Mon Dieu! Salata? Oui? Apporte-moi le fourneau. D'accord. Merci. L'école d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est normal. Pour nos profs, nous sommes des vauriens. Les parents, eux, ils nous traitent de fainéants. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. À votre âge, que pouvez-vous faire d'autre si ce n'est qu'étudier? C'est dire que vous devrez avoir conscience de votre devoir, qui est d'étudier pour vous-même d'abord et pour l'avenir de ce pays. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Il se trouve hélas que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Et c'est ce que nous réclamons. Sans une bonne école, vous n'avez pas d'avenir. C'est pourquoi l'État prône la politique d'une école d'excellence. Le vrai danger, c'est certains enseignants qui prennent toute l'année scolaire en otage, en refusant de faire passer les examens. Et du coup, ils compromettent notre avenir. Cobra, oui. Tu dormiras avec elle ce soir. Ensuite, les nuits suivantes seront pour les autres. À vos ordres, chef. Je vous en prie, ne me violez pas. Personne ne te violera ici. Tu coopéreras simplement pour rembourser une dette. Dieu, aidez-moi. Je vous en prie, aide pitié de moi. Contente aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça va, toi? Hé, hey, Patty! Tu vas bien? Ah, ça va? Ça va? Non, non, pas du tout. Ça va? Ça va? Ça va? Salut, madame. Vous allez bien? Tu es en beauté aujourd'hui. Ah, merci. Et la journée? Ça a été. Ça, c'est bien. Hé, hey, Fatim, coupe ça. Hé! J'ai une chanson pour le groupe. Ah, ah. Chante voir.
Les lumières de Bamako, les lumières de Bamako, les lumières de Bamako, les lumières de Trois Caïmans. Le charme est à nous, l'élégance est à nous. Ça c'est vrai. La beauté est à nous, nous sommes les lumières de Bamako. Vraiment, c'est excellent. Félicitations. Merci. Et Sorona? Oui. Tu es particulièrement heureuse aujourd'hui. Oui. Vous savez quoi, les filles? J'ai demandé à Lassana une preuve pour croire à son amour. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a demandé de m'éloigner de lui, aussi loin que possible, et de le rejoindre en comptant à haute voix. Drôle de preuve d'amour. Il m'a offert 5 000 pour chaque pas que j'ai fait en venant vers lui. Il m'a donné au total 45 000 francs. Tu veux nous dire que tu as gagné 45 000 francs comme preuve d'amour? Exactement. Si j'avais su, je serais allée plus loin pour gagner plus d'argent. Mais Sorona, pourquoi tardes-tu à payer l'argent de notre tontine si tu as eu autant d'argent? Il faut être honnête. Je suis plus honnête que toi. Qu'est-ce que tu peux bien me reprocher? Parce que si tu prends l'argent de la tontine, il faut être correcte pour rembourser les autres. Fatima est jalouse de ma liaison avec Lassana. Sorona, mais pour quelle raison? Parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et tu m'en veux pour cela? Sorona, si je décide d'avoir une liaison avec Lassana, il t'abandonnera pour toujours. Si jamais tu tentes le coup, tu échoueras lamentablement. Dieu. Tu ne peux me prendre aucun de mes hommes. Et les filles, vous avez entendu le défi qu'elle vient de me lancer. Vous aussi, vous n'allez pas vous disputer à cause d'un homme? Amène-la. Je vous aime. Hé, hey, que voulez-vous faire d'elle? Mes respects, chef. Cette malheureuse a pris le sac et a détruit le colis. Bande de vauriens! Cette négligence vous coûtera cher! Je ne savais pas que son contenu était si important pour vous. Que voulez-vous faire d'elle? Pour payer les préjudices, elle servira d'esclave sexuelle au groupe. Mais... c'est Dramani? Sarah, j'ai une dette envers cette femme. Dramani! Ton ami Madou m'avait dit que tu étais mort à Abidjan pendant la crise ivoirienne. C'est ce que beaucoup de gens croient. Mais Dramani, pourquoi fait-il une telle chose? Je fais le mort pour me fondre dans la nature et mener à bien mes affaires. Car toutes les polices de la sous-région me recherchent. Dramani, pourquoi continues-tu sur cette voie? Sarah! Tu viens d'avoir la chance de ta vie. Tiens. Non, tiens. Dramani. Et oublie-nous. Et toute cette histoire, c'est mieux pour toi. Ne dis à personne que tu m'as vu. Dramani, merci. Raccompagne-la et veillez à ce que rien ne lui arrive. Dramani, merci. Vraiment merci. Pas de quoi. Asta, oui. On t'attend pour la réunion. Ok, j'arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme vous le savez tous, Mamadi est mon mari. À ce titre,
Il est le nouveau chef de famille. Bintou, c'est normal. Puisque notre code de mariage dit que le mari est le chef de famille. Hé, hey, Asta. Le code le dit, mais la réalité est tout autre d'elle. Bintou, si tu nous disais concrètement l'objet de cette réunion-là. Tu as raison. Mamadi m'a demandé de vous réunir. Donc, je lui donne la parole. Je vous remercie. Dans la vie, chaque personne a sa manière de voir et d'agir. C'est pourquoi certains comportements doivent changer dans cette concession. Comme quoi, par exemple? J'ai changé la serrure de la porte d'entrée. Prenez votre disposition pour être à la maison avant 22 heures. Sinon, vous resterez dehors. Pourquoi faites-vous cela? Nous ne vivons pas dans une prison. Prison ou pas, c'est la nouvelle décision de la concession. En tout cas, 22 heures, c'est raisonnable quand même. Cela est mieux. Avec le banditisme qui monte, c'est bien de renforcer la sécurité de la maison la nuit. Nous ne sommes pas dans une foire. Pour la tranquillité des autres occupants, il est formellement interdit de parler à haute voix dans la cour de la concession. Tout à fait. Les leçons de savoir-vivre enseignent de ne pas perturber la quiétude des gens. Le dernier règlement est l'interdiction formelle des toilettes aux non-membres de cette concession. Pourquoi interdire les toilettes à nos visiteurs? Hé, nous sommes en location dans cette concession, mais cela ne fait pas de nous vos enfants, hein? Vraiment, pour une fois, je suis d'accord avec Oumou. Oumou, toi aussi, ne complique pas les choses. Mamadi n'a rien dit de mauvais ici. C'est dans votre intérêt que ces mesures seront appliquées. En tout cas, ceux qui ne veulent pas se plier à la volonté du chef de famille savent certainement où partir. Bintou, Bintou, ouvre bien les yeux. Ces mesures ridicules vont te mettre en conflit avec les locataires d'air. À partir d'aujourd'hui, ce règlement entrera en vigueur. Donnez l'information aux autres membres de la famille. Hé, hé, ce chantage ne marche pas avec moi. Car je suis à jour dans les paiements du loyer. Et personne ne pourra me faire partir d'ici sans mon consentement. Regardez, comme si c'est elle qui a construit ma maison. On entend tout dans cette concession. Lamine, oui. Merci de me rendre ce service. Barou, oui. Si je n'écoutais que mon cœur, tu ne serais pas dans mon taxi. Et pourquoi? Tu m'as accusé à tort d'avoir une relation amoureuse avec ta femme Asta. Lamine, tu sais, par jalousie, ma seconde épouse Oumou m'a poussé en erreur. Je t'en prie, ne pense plus à cette histoire. Du modèle. Ok, c'est 1000 francs. Bamako devient de plus en plus difficile. Et Bamako est aujourd'hui le paradis des belles femmes comme toi. Comment cela? Parce que vous avez les belles maisons, les belles voitures et les comptes en bac garnis. Ah bon? Si tu le souhaites, aujourd'hui même, tu peux me donner une affaire qui m'apportera gros. Quel genre d'affaire? Comme la vente des lots à usage d'habitation, par exemple. Tu as peut-être raison, j'ai des terres à vendre. Ah là! Si tu le désires, je t'aiderai à le vendre. Si tu n'es pas pressé, viens avec moi, nous en parlerons plus tranquillement. Taximan, je suis arrivé à destination, c'est la maison à droite.
Lamine. Oui. Merci pour ton aide. Ok. Je pars avec elle. Ok, merci madame. Barou, oui. Je suis témoin de l'affaire. Si vous êtes d'accord, n'oubliez pas de me payer les 10%. Ok. Comme ça? Je vais aux toilettes. Laisse-moi passer. Ah, aux toilettes? Oui. Pardon. Tu as quitté un endroit pour venir ici. Pourquoi n'as-tu pas utilisé leurs toilettes? Pourquoi fais-tu cela? C'est le nouveau règlement de cette concession. Interdiction des toilettes aux non-membres de la concession. On est arrivé. Ah bon? Prends place. Ah, merci. Vous avez un très joli salon. Hein? Merci. Avant de parler affaires, oui. Allons au lit. J'ai besoin d'un peu de tendresse. Et dans notre société, il n'est pas normal qu'une femme dise de tels propos à un homme. En plus, je suis marié. Et je suis ici pour affaires, pas pour autre chose. N'es-tu pas au courant que notre société a changé? La preuve, je suis mariée, mais j'ai envie de toi. Allez, viens. Ton comportement est incompatible avec la morale de notre société. Viens dans mon lit où j'ai cru que tu tentes de me violer. Tu fais preuve d'une grande naïveté ou d'inconscience en t'offrant à moi. Comment cela? Parce qu'il y a possibilité pour toi d'être contaminé par des infections sexuellement transmissibles. Tels que le VIH, les hépatites, la syphilis, l'herpès génital et tant d'autres. Tu sembles en bonne santé. Hé, Mamadi, laisse-nous respirer. Hein? Pourquoi veux-tu interdire les toilettes à nos visiteurs? Fatim, contrôle ton langage. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Je vous en prie, j'ai un besoin urgent. Laisse-moi passer. Pour appliquer une loi, il faut commencer par quelqu'un. Cette personne, c'est toi. Je pensais que tu étais raisonnable. Si tu tentes de me retenir ici, je te ferai tomber par terre et j'urinerai sur toi. Voilà. Ça, c'est ma copine. Mamadi. Ces mesures vont te mettre en conflit avec les locataires. Tu as entendu? Si tu ne fais pas attention, tu auras l'humiliation de ta vie. Personne ne pourra me faire partir d'ici. Sans mon consentement. Mamadi, un conseil. Abandonne ces mesures ridicules. Sinon, tu quitteras cette famille sur la pointe des pieds. Tu as compris? Ça, c'est quoi ça? Pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Ne te fie pas aux apparences. Certains malades ne montrent pas des signes extérieurs. Ah bon? Crois-moi, les risques sont nombreux. Toutes ces infections ne sont pas guérissables. Certaines deviennent même chroniques. Tu cherches ça me fait peur. Si tu veux continuer à bénéficier du confort affectif, social et pratique que la vie en couple te procure et garder une bonne image devant tes proches, je t'en prie, abandonne cette pratique. Bravo, tu as gagné. Gagné quoi? C'était un test. Je voulais savoir si oui ou non, tu étais honnête en affaires. Sinon, comment faire l'amour avec un inconnu? Ce genre de test peut être dangereux pour toi. Car tous les hommes ne sont pas comme moi.
T'inquiète pas pour moi. J'ai mon système de défense. D'accord. Bonjour Kabako. Bonjour. Je viens pour une consultation. Entrons. Prenez place. Merci. Je t'écoute. Kabako, aide-moi enfin que je puisse être aimée et désirée par les hommes. Ce sont les vœux de la plupart des femmes. Je veux que des hommes riches et influents courent après moi et se plient à ma volonté. Tu as frappé à la bonne porte. C'est à la forge que l'on travaille le fer. Consultons le fétiche. Oh, fétiche sacré de mes ancêtres, toi qui réalises des choses impossibles, montre-moi la voie à suivre. Carré magique. Prends. Utilise cette pommade avec le nom de la personne à envoûter. Je t'assure que tu auras satisfaction. Merci Kabako. Tu dois savoir une chose importante. Laquelle? Tu ne dois plus manger de la viande de perdrix sous peine de voir l'effet inverse se produire. Kabako, pas de crainte à ce sujet. Je ferai attention. Si tu manges de la viande de perdrix, tu seras détesté et repoussé au lieu d'être aimé et désiré par les hommes. Merci Kabako. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.
Bonjour Barou. Bonjour Barou. Ça va? Comment vas-tu? Très bien. Vous allez bien? Barou, il faut parler avec Sanata, la servante. Parce que je ne veux pas que les gens imaginent que nous avons une relation intime. Mais pourquoi me dit-tu une telle chose? Elle fait des scènes de jalousie aux filles qui me fréquentent et veut me séduire. Mais toutes les filles rêvent. Elle tente certainement sa chance avec toi. Mais ce n'est pas condamnable. Certaines servantes ont été mariées par leur patron ou par un fils du patron. Ce ne serait pas le cas avec moi. Parce que je ne veux pas qu'elle perde son emploi par son attitude. Les femmes sont imprévisibles. Damba a dit à Mamadi, si tu tentes de me retenir, je te ferai tomber par terre et jurerai sur toi. Entre nous, Farima, allais-tu les faire? Des retours des toilettes, j'étais tellement fâchée que je n'ai pas résisté à la tentation de débousculer. Il abandonnera ses mesures ridicules, de gré ou de force. Les amis, changeons de sujet. Les filles, en parlant de changer de sujet, la Sana viendra me chercher pour aller m'acheter une nouvelle robe. Ah ouais. Sokwana, tu ne vas pas commencer à parler de la Sana encore? Dis-moi, pourquoi je n'ai pas parlé de la Sana? Les filles, je reviens tout de suite. Utilise cette pommade avec le nom de la personne à envoûter. Je t'assure que tu auras satisfaction. Que la Sana tombe amoureux de moi, qu'il court après moi et se plie à ma volonté. Mon banquier m'a donné un rendez-vous. Après, j'ai été mon téléphone et il me cherche depuis. Donc, tu as beaucoup d'argent. Si jamais il t'attrape. Tu sais, je suis jalouse de Sokwana. Bon? Tous tes cadeaux sont pour elle. Ah, j'ai tort. Prochainement, j'amènerai tes cadeaux. J'ai une autre idée. Viens me chercher ici demain. Je tiens à t'accompagner pour l'achat de mes cadeaux. Ah, d'accord. Je le ferai avec plaisir. Bon, les filles, à bientôt. À bientôt. Ouais. Ah, voilà. La Sana, chérie. Ça va? Ça va, ça tu va. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Allez, allons-y, on est en retard. Oui, y a Fatim, pas de à plus tard. Okay. Au revoir. Oui. Mais Fatim, tu étais seule avec la Sana. Or, Sokwana t'a averti que si tu tentes de séduire son homme, tu échoueras lamentablement. Vous avez entendu son défi, non? Bien sûr. Alors, qu'elle ne soit donc pas surprise des conséquences de son arrogance. Que veux-tu dire? Elle dit qu'elle est prête et que tu peux commencer les hostilités quand et où tu vis. Sokwana a besoin d'une bonne correction. Au nom de Dieu. Thank you.
Bonjour Kabako. Bonjour. Suis-moi. Prenez place. Merci. J'ai accepté de t'aider afin que nul ne s'oppose à ta volonté dans la famille. As-tu suivi mes recommandations? J'ai cuit en plein jour au milieu de la cour les 3 œufs. Mais ma femme Bintou a mangé le plat. Comment cela? J'ai été distrait par Fatim, une femme de la maison. Bintou a mangé le plat. C'est une négligence grave. C'est vrai. Aide-moi. Car les gens s'opposent à mes décisions dans la concession. Si tu avais mangé seul les 3 œufs cuits au milieu de la cour, nul ne pouvait s'opposer à ta volonté dans la famille. C'est vrai. Mais à présent, que peux-tu faire pour moi? Consultons le sable. Je t'avais dit de suivre mes recommandations et que si tu n'avais pas satisfaction, je retournerais à l'école auprès de mon maître ou que j'abandonnerais le métier de féticheur. C'est ce que tu avais dit. Tu n'as pas suivi mes conseils. À présent, je suis désolé. Je ne peux rien pour toi. Kabako, j'ai fait une erreur. Mais que peux-tu faire pour moi? Te donner un conseil. Lequel? Fais attention, car les signes montrent que tu risques de perdre ta femme et la maison. Kabako. Merci. Merci. Bonjour Fatim. Bonjour Lassana. Comment tu vas? Ça va. À présent, les nouvelles. Sais-tu que la ponctualité est la première qualité d'un homme gala? Ah Fatim, on dirait que toi tu ne me connais pas. Je t'informe aussi que j'ai remporté plusieurs fois le concours national des hommes gala. Si tu le dis, tu peux remporter aussi celui des blagueurs. Ah bon? Lassana. Oui. Qu'allons-nous dire si Sokona nous voit ensemble? Sokona, elle est ma copine. Et non ma femme. Elle ne peut rien m'interdire. Moi non plus. Elle alors, ne peut rien m'interdire. Alors, où est le problème? Il n'y en a pas. Monte.
Karim, je suis parti à l'école. Oui. Viens. J'ai deux mots à te dire. Comme tu le sais, ta mère est mon épouse. À ce titre, je suis le chef de la famille. C'est normal, car notre code de mariage dit que le mari est le chef de famille. Tu es le fils aîné de Bintou. À ce titre, tu dois m'aider à mettre de l'ordre dans la famille. Mais en faisant quoi, par exemple? Bien. J'ai changé la serrure de la porte d'entrée de la maison. Quoi? Pour obliger les gens à rentrer avant 22 heures. Ils n'ont pas accepté. Les gens courent à la recherche du pain quotidien. Ils peuvent venir à des heures tardives. C'est trop facile comme excuse. Les locataires de cette maison pensent qu'ils sont propriétaires. Il faut agir. Ils doivent nous obéir ou partir d'ici. Ne complique pas les choses. Je ne suis pas d'accord avec ton règlement. Ah bon? Au lieu de m'aider, tu veux t'opposer à ma décision? Tes décisions sont injustes et te mettront en conflit avec le locataire. Hey Karim, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Alors, laisse-moi te donner un conseil. Lequel? Abandonne tes décisions injustes. Sinon, elles continueront à te mettre en désaccord avec le locataire et avec ma mère. Hé, hey, laisse ta mère en dehors de ça. Ça va, c'est bon. Attends, je vais te dire une chose. Si tu acceptes, nous formerons un couple fantastique. J'ai toujours rêvé d'avoir une femme comme toi. Il y a des hommes et il y a des semblants d'hommes. Dans quelle catégorie est-il? Que veux-tu dire par semblant d'homme? Si un homme ne peut pas subvenir au désir de sa copine, ni faire face à ses dépenses, il est un semblant d'homme. Alors, je ne serai jamais un semblant d'homme. Alors, prouve-le-moi. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Que tu me donnes une trêve d'amour. Que veux-tu au juste? Que tu acceptes tout ce que je te demande. Je suis d'accord. Alors, donne-moi 20 000 francs en souriant. C'est tout? Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Tiens, 5 000. Oui. 10 000. Oui. 15 000. Oui. 20 000. Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose? Non, c'est tout. Tu sais, le sourire, c'est pour dire que tu me donnes avec plaisir. J'ai compris. Allons-y. Je vais m'acheter des produits de beauté. Ah bon? Oui.